Depuis 400 ans, je suis avec vous. Depuis 400 ans, je suis restée là même pour vous. Je suis confiante, j'intercède, je sers d'intermédiaire. Ayez confiance en moi. Confiez. En dehors des murs de ces temples, l'Église cubaine a eu peu d'occasions d'exprimer sa foi au cours des 60 dernières années. Les occasions de communiquer ont été minimes. Sans doute, les préparatifs du 4e centenaire de la découverte de l'image de la Vierge de la Charité del Cobre, qui sera célébrée en septembre 2012, constitue-t-il l'événement ecclésiastique le plus important depuis le début de la Révolution, juste après la visite du pape Jean-Paul II en 1998. La petite statue a été trouvée flottant dans la mer par deux Indiens et un esclave noir qui allaient chercher du sel dans la baie de Nipé. L'image a ensuite été emportée dans le village d'El Cobre, près de Santiago, et de là, la dévotion s'est rapidement répandue à travers toute l'île. La célébration de 4 siècles de présence de Marie sur l'île a été préparée par une année pastorale divisée en 3 étapes. La première année a été consacrée à la sensibilisation des baptisés à leur vocation de missionnaire. La seconde à atteindre les gens qui étaient les plus proches de l'Église. Enfin, la troisième a pour but d'atteindre tout le monde dans le pays grâce à un pèlerinage à la Vierge Mambisa, autre nom donné à Cuba, à Notre-Dame de la Charité del Cobre. Va ser un año y medio de peregrinación de la Virgen. Ce sera un pèlerinage d'un an et demi à la Vierge. Un an et demi de mission pour que tout notre peuple, par l'intermédiaire de Marie, puisse rencontrer Jésus. Ceci est notre objectif principal, que la Sainte Vierge Marie nous mène à Jésus. Et pour nous, cela est clair. Les grands pasteurs missionnaires nous ont appris que Notre-Dame de la Charité était celle qui ouvrait nos cœurs et nos maisons à Jésus-Christ. C'est ce qu'ils nous ont appris grâce à leur expérience, mais nous voyons cela se produire tous les jours au sein de notre peuple. Dès 1951 et 1952, un pèlerinage à Notre-Dame de la Charité a eu lieu autour de l'île pour célébrer les 50 ans de l'indépendance de Cuba et l'établissement de la République. À l'époque, la statue s'est promenée dans 600 endroits. Cette fois, environ 2000 lieues verront la rencontre entre le peuple cubain et l'image de Notre-Dame en pèlerinage. Tout d'abord, j'ai pris cela comme une tâche qui m'avait été assignée, ce qui évidemment demandait une certaine organisation, de la logistique et des préparatifs. Puis le pèlerinage a finalement commencé. J'ai alors réalisé que c'était quelque chose de complètement différent. Lorsque j'ai vu ce que les gens ressentaient à l'approche de Notre-Dame, on pouvait voir la joie des gens devant son image, la façon dont ils la révéraient, déposaient tout à ses pieds, des pétitions, des prières, et dont ils la remerciaient pour tout le bien qu'elle a fait à notre pays. On ne peut pas parler de dévotion à Notre-Dame de la Charité sans parler du sanctuaire situé à 15 km de Santiago. Tout au long de l'année, mais surtout le jour de sa fête, le 8 septembre, pour des milliers de fidèles, El Cobre est une destination de pèlerinage et la réalisation de promesses. Yo no quiero flores, yo no quiero estampas, yo no quiero decir que era.
Je dois dire que c'est la première fois que je viens ici et je suis plutôt épuisé. Mais bon, l'idée est de venir voir celle qui est notre mère et aussi un symbole de ce que nous sommes, nous, Cubains. Alors je dépose ma fatigue entre ses mains et je viens vous dire que je l'aime et que je lui présente mes félicitations parce qu'aujourd'hui, c'est son jour. Nous sommes venus en pèlerinage à la maison de la mère de tous les Cubains. Comme tous les ans, ça a été une expérience nouvelle, très belle. À mon avis, il est intéressant de voir comment, malgré tout, les gens continuent d'exprimer leur dévotion et leur amour pour notre mère. Ce voyage vaut vraiment la peine, malgré la fatigue et tout le reste. Pour Cachita, tout vaut la peine. Je lui ai adressé des demandes et je l'ai remercié. Comme je vous l'ai dit, j'ai été gravement malade à deux occasions. Et les deux fois, j'ai été guérie, uniquement parce que je lui avais demandé de tout mon cœur. La nuit dernière, il pleuvait fort et les gens disaient « Vous ne devez pas vous mouiller ». Et je répondais « Pourquoi pas ? Cette eau est bénie. Et regardez-moi ce matin. Pour les Cubains, c'est ce qu'il y a de mieux. Ils viennent de tout le pays, c'est ce qu'il y a de plus important à Cuba. Je viens ici depuis mon enfance. Et pour moi, être dans la chapelle de Notre-Dame, c'est comme un moment au paradis. C'est un endroit où l'on sait que Dieu et Marie sont présents. C'est comme trouver un morceau du ciel. Ceci est ma maison. C'est la maison de la Vierge Marie, et je suis voué à elle. Si le flux des pèlerins d'El Cobre n'a pas diminué depuis la construction du premier lieu de culte au XVIIe siècle, on s'attend à ce qu'en 2012, le nombre de personnes venant voir Cachita, surnom affectueux de charité, soit tout simplement immense. Muchas veces solamente tiene oportunidad de llegar. Parfois, les gens ont seulement la possibilité de venir, de prier, de donner leur offrande et de repartir. Nous aimerions pouvoir leur offrir un local pastoral pour qu'ils apprennent à mieux connaître la parole de Dieu, à savoir qui est la Sainte Vierge Marie, à découvrir que Notre-Dame de la Charité est la Mère de Jésus, que Notre-Dame de la Charité fait partie de notre histoire et qu'elle a quelque chose à nous dire, à nous, à Cuba, aujourd'hui. Pour ça, il faut que nous réparions le sanctuaire, ce qui n'a pas été fait depuis longtemps, et nous aimerions aussi l'agrandir. On peut dire la même chose des autres parties du bâtiment qui sont vétustes et doivent être adaptées aux besoins du temps présent. C'est pourquoi nous demandons l'aide des catholiques du monde entier qui auraient envie de nous aider à travers diverses organisations caritatives, comme l'aide à l'Église en détresse. Nous lançons une campagne intitulée Le sanctuaire d'El Cobre est le foyer de tous. Chaque Cubain, un peso. Si nos ancêtres l'ont fait hier, aujourd'hui c'est notre tour. Lorsque je suis arrivé à Cuba, je croyais qu'ici la foi n'existait pas. Et lors de ce premier 8 septembre 1997, j'ai été frappé de voir que le peuple entier était troublé parce qu'il aime réellement Marie. Chacun avec ce qu'il a dans la tête, mais avec un vrai amour pour Marie en tant que mère de Dieu et la ferme conviction qu'elle a accompli de nombreux miracles. Bien sûr, une foi plus éclairée sait que Dieu accomplit ses miracles à travers Marie, mais ce qui compte, c'est que Dieu ait accédé à ses gens par l'intermédiaire de Marie et qu'il les ait gardés dans la foi. Que nous apporte la Vierge ? Notre peuple est comme Élisabeth, épuisé par les années. Mais qu'est-ce qu'elle nous apporte ? Elle nous apporte des grâces, elle apporte un message d'espoir, elle apporte la confiance, elle apporte l'unité. L'anniversaire de la découverte passera, comme tous les ans, mais la devise qui a présidé à ces célébrations, à Jésus, par Marie, charité nous unit, restera un guide pour l'Église de Cuba pendant son voyage. Llena de gracia.
Maria.